Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où effectivement on va se pencher sur la plateforme NanoTrader. Je suis Monsieur Weissrock, représentant de la société WH Self Invest en France, à Paris en l'occurrence, dans les bureaux du 9e arrondissement où vous pouvez nous retrouver, me retrouver en rendez-vous personnalisé si vous le souhaitez, ou alors venir dans le cadre de nos formations. Pile dans une semaine, donc le 19 avril, mardi 19 avril, nous aurons une formation en après-midi avec Éric Lefort. Donc, il reste encore des places, vous pouvez vous inscrire à cette formation. Pour la société WH Self Invest, je pense que vous connaissez, il s'agit d'un courtier dont le siège social est au Luxembourg et qui existe depuis 1998, donc près d'un quart de siècle désormais, et qui n'a eu de cesse d'innover et de créer de nouveaux services au fil de toutes ces années. Très régulièrement, je vous fais des webinaires sur les nouveautés, une fois par mois. Prochainement, je vais d'ailleurs vous faire un webinaire sur le thème que j'ai abordé au Salon de l'analyse technique le 1er avril de cette année. Et je reviendrai donc sur un nouveau service qui se nomme Freestocks. Pour l'heure, donc nous sommes partis pour ce webinaire NanoTrader, un webinaire 100% pratique. Donc, il n'y a pas de diapositive quelque part, hormis celle que vous avez à l'écran maintenant. Et on va juste faire, avant de passer sur la plateforme, faire un rappel rapide sur les produits que l'on peut utiliser dans le cadre d'un compte de trading, qui sont les futurs et les CFD, tous deux des produits dérivés. Les futurs des produits de marché régis par une bourse, les CFD, les produits de gré à gré qui sont distincts, différents chez chacun, chez chaque broker. Là où les futurs, bien sûr, sont identiques quelque part, quand on souhaite travailler sur un futur, si on souhaite travailler sur le futur DAX, il faut prendre un abonnement à la bourse Eurex et n'importe quel trader sur la planète aura le même carnet d'ordre sur les yeux. Donc, il aura de fait le volume, là où pour les CFD, il n'y a pas de volume. Mais dans les deux cas, il y a une similitude, c'est-à-dire que l'on travaille sur un effet, avec un effet de levier obligatoirement, dans le sens où il n'y a pas obligation de déposer la totalité de la taille de position sur votre compte pour pouvoir prendre une position. Donc, si on travaille un indice qui vaut 15 000 points à 1 euro du point, c'est 15 000 euros de taille de position, mais on ne demande pas que vous ayez 15 000 euros. On va vous demander 5% de cette somme, donc il suffit que vous ayez 750 euros sur le compte pour pouvoir prendre la position. Dans le cadre des futurs, les tailles de position, enfin les tailles des contrats sont régies par les bourses. Donc pour l'exemple de mon DAX, on aura 25 euros ou 5 euros ou 1 euro. Il y a trois contrats différents. Dans le cadre des CFD, on a beaucoup plus de possibilités, puisqu'on donne la possibilité de travailler par multiple de 1 euro du point sur un CFD classique ou par multiple de 10 centimes du point pour les personnes qui veulent travailler vraiment sur les plus petites tailles de position. Donc voilà ce qu'il faut un peu bien prendre en compte, toujours bien identifier les produits avec lesquels on peut travailler pour le cadre futur CFD. Pourquoi on parle futur CFD? Parce que NanoTrader est principalement utilisé pour le trading, des trading ou autres, mais pour le trading court terme et pour un compte futur ou un compte CFD. Voilà, donc maintenant, on va basculer sur le. Alors là, j'ai été trop vite. On va basculer sur la plateforme et donc je reviendrai bien sûr à la fin du webinaire sur les deux dernières diapositives qui vous donneront le plan de nos bureaux à Paris. Alors, avant même de parler plateforme, avant même de parler plateforme, pour les personnes qui ne seraient pas clientes et n'auraient donc pas encore testé la plateforme, n'auraient pas la plateforme en démo ou autre, je vous mets actuellement le site WH Self Invest à l'écran. Donc, c'est par le biais de ce site que dans le menu tout en haut, vous voyez le menu qui commence par futur, CFD Forex Action. Et le quatrième choix, c'est compte démo. Tout à droite, ouvrir un compte, c'est sous-entendu ouvrir un compte réel. Et dans le cadre de compte démo, c'est faire une demande de compte démo pour tester les services avec la plateforme. Donc, on clique sur compte démo.
apparaît à ce moment-là une fenêtre comme vous la voyez maintenant à l'écran. Et dans cette fenêtre, il suffit de choisir le flux avec lequel vous souhaitez tester la plateforme. Vous pouvez tester avec un flux CFD Forex ou avec un flux futur. En mode démo, le flux CFD Forex sera en temps réel et le flux futur sera en différé 15 minutes. Bien sûr, quand vous êtes client futur, vous avez le temps réel sur les futurs. Mais là, on n'a pas le droit de diffuser les futurs en temps réel. Donc, il suffit que vous choisissiez le type de produit qui vous intéresse, nom, prénom, et on clique sur J'essaye la démo. Et instantanément, on obtient donc une démo. Hein. Donc, si je fais un test ici, il suffit de remplir ici le CAPTCHA, hein, le petit truc pour dire que vous n'êtes pas un robot. Et on clique sur J'essaye la démo. Et là, vous voyez apparaître immédiatement vos identifiants. Ici, utilisateur, domaine, mot de passe. Et le lien à gauche, là, pour télécharger la plateforme ou pour travailler sur le web. Donc, vous voyez, c'est très rapide pour avoir une démo. Une fois que vous avez installé la plateforme, donc volontairement, là, j'ai cliqué sur le bouton page vide tout en bas ici. Alors, cette barre de page, ce que vous voyez tout en bas ici, c'est ce qu'on nomme une barre de page. Si d'aventure, vous ne la visualisez pas, c'est très probablement parce que dans le menu affichage, vous n'avez pas cliqué sur barre de page, enfin, du moins, barre de page n'est pas sélectionnée. Si je le supprime là, vous voyez, ma barre de page a disparu. Donc, quand il y a quelque chose qui n'apparaît pas comme je pourrais le montrer sur ce soir, vous pourriez le revoir dans le cadre de la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, c'est tout simplement que dans le menu affichage, peut-être c'est pas sélectionné. La première notion, l'intérêt de cette barre de page. Cette barre de page, ça peut être synonyme d'espace de travail. C'est-à-dire que la plateforme, elle, va suggérer différentes pages par défaut, une page principale, une page market overview, technical analysis. Donc, ces pages sont des propositions d'environnement de travail que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser. Là, j'ai cliqué sur market overview. Ça développe, excusez-moi, ça développe donc quatre études côte à côte. Si on clique sur Technical Analysis, ça déploiera un nouvel environnement de travail. Et si, bien sûr, vous avez envie, vous, de créer votre propre espace de travail, libre à vous, bien évidemment, de le faire. Donc là, on voit que dans Technical Analysis, on a une autre orientation. Et si je repars sur page vide et que je me dis, tiens, moi, en ce qui me concerne, j'ai envie d'avoir peut-être une fenêtre type tableau de cotation pour y insérer les sous-jacents que j'ai envie de suivre. Donc, je demande un tableau de cotation. Par défaut, il m'est ouvert comme ceci, vide. Je fais un clic droit, j'ajoute les symboles qui m'intéressent. Donc, en faisant ça, je vais avoir une fenêtre, alors qui s'est déployée sur un autre de mes écrans, mais là, je la ramène ici. Donc, une fenêtre avec les différents sous-jacents. Si je souhaite travailler, par exemple, sur le Germanie, je peux demander à travailler sur le Germanie 40 ou en disant OK, on ajoute ici, vous voyez, là. Si maintenant, je clique ici sur Police pour peut-être vous montrer les choses un peu plus grosses comme ceci, voilà. Donc, ça a le mérite de mieux, vous puissiez mieux visualiser. Alors, ici, on a ce tableau. On peut y ajouter tous les symboles, bien sûr, que l'on veut. On peut changer, le personnaliser. Si je ne veux pas avoir la colonne symbole, par exemple, je fais un clic droit, je fais configurer colonne. Je ne suis pas intéressé par la colonne symbole, mais je préférerais. Alors, c'est tout ce que l'on peut ajouter ici. Tous les champs qui sont possibles, on peut en mettre autant qu'on en veut. Bon, il faut que ça ait de l'intérêt, bien sûr. Mais je vais par exemple me dire, tiens, j'ai envie d'avoir le spread, hein, ajouter la colonne spread. Et de fait, plutôt que de faire le petit calcul, il me montre ici que j'ai un spread fixe. Donc, on est hors marché cash. Donc, c'est pour ça qu'il y a un spread de 2,4 qui est plus large que, puisque il est 18h10, hein, donc on est en dehors des horaires de marché. Je peux ajouter d'autres symboles si je le souhaite. Donc pourquoi pas, ne soyons pas, soyons un petit peu chauvin, mettons le CAC quelque part. Voilà. Alors bien sûr, et ici on voit qu'on a 1,9 de spread. Là aussi,
on est hors marché. Mais et si maintenant on souhaite ouvrir, pourquoi pas une déployer ce qu'on appelle une étude. Donc là, j'ai sélectionné mon CAC 40, je fais un clic droit. Alors bien souvent, dans la plateforme NanoTrader, comme dans beaucoup de logiciels Windows, le clic droit offre la possibilité de déployer des menus contextuels. Donc c'est bien souvent pratique et ça évite de se reporter sur l'aide sans arrêt. On peut de manière assez intuitive dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce que si je fais un clic droit à cet endroit-là, ça ne me déploierait pas le menu qui va bien? Donc ça marche bien souvent comme ça. Donc ici, je peux déployer effectivement ce qu'on appelle une étude. Donc c'est un autre type de fenêtre. Donc c'est une deuxième fenêtre que je déploie ici. Et je peux là aussi, quelque part, lier mes deux fenêtres entre elles grâce à ce petit symbole ici, en choisissant par exemple une couleur ici rouge et en mettant la même couleur ici. Si je viens maintenant à cliquer sur Germanie, je vais déployer le Germanie dans ma fenêtre. Vous voyez, j'ai lié les deux fenêtres entre elles. Je peux pourquoi pas choisir de déployer également une fenêtre, pardon, pour suivre mon compte. Donc, si je veux suivre mon compte, voilà, j'ai une autre fenêtre. Et là, j'ai déployé quelque part déjà trois fenêtres. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez détacher une fenêtre avec cette icône qui est ici, détacher, attacher le graphique. Donc, vous pouvez détacher une fenêtre et la déployer sur un autre écran. Une fois que vous avez votre environnement de travail qui vous convient, vous avez juste à l'enregistrer une seule fois. Donc, vous faites Manager Page, enregistrer la page sous, et là, vous donnez un nom à votre page, le nom que vous avez envie. Si ici, je l'appelle par exemple page A, comme ceci, je peux faire remplacer par l'élément existant. OK. Et de fait, si maintenant je reviens sur une page vide, je retrouverai ma page que j'ai fait à l'instant, soit dans le menu Manager Page ici, je la retrouverai à cet endroit-là, soit je peux tout à fait la configurer comme un raccourci. Alors, je peux enlever les pages qui ne m'intéressent pas ici et dire, tiens, j'ai juste envie de rajouter en raccourci ma page A que je viens de créer, et il me suffirait de recliquer sur page A pour redéployer les fenêtres que j'ai enregistrées sous cet espace de travail. Donc, retenez juste que vous pouvez faire l'espace de travail que vous avez envie. Vous pouvez faire plusieurs espaces de travail si un ne vous suffit pas. Vous travaillez les indices d'un côté, vous travaillez les actions d'un autre, vous travaillez le forex dans un troisième temps et d'une certaine manière, vous n'utilisez pas les mêmes outils à chaque fois ou autre, et ça peut avoir du sens de ne pas avoir exactement le même espace de travail. Donc, vous pouvez faire tous les espaces de travail que vous avez envie. Voilà ce qui est important de savoir, mais ce n'est pas le plus important sur la plateforme, mais c'est quand même important de créer les espaces de travail que l'on a envie. Bien entendu, si vous avez besoin d'aide pour créer un espace de travail, vous pouvez revenir vers moi. Vous aurez mes coordonnées en fin de présentation. Et sachez également que vous pouvez être amené à faire toutes sortes de choses avec la plateforme, mais à un moment donné, à être, pourquoi pas, on va dire, ne pas savoir comment faire quelque chose en particulier. Et plutôt que de m'écrire un mail en disant je ne sais pas faire, mais sans me donner d'explication, vous pouvez faire la chose suivante. Vous enregistrez la page, vous enregistrez donc, quand on dit enregistrer la page sous, vous enregistrez la configuration dans laquelle vous vous trouvez à l'instant T. Vous faites enregistrer la page sous. Vous lui donnez un nom. Une fois que vous lui avez donné un nom, deuxième étape, vous allez faire, toujours avec le menu Manager Page, vous allez faire exporter la page. Donc ici, si je fais exporter la page, comme ceci, il vient de me répondre, la page exportée a été conservée et il me donne l'arborescence. Donc il me dit, dans mon ordinateur, il a créé
un dossier qu'il a appelé page A 2022-04-12, etc. .nxa. Donc, il a créé un petit fichier dans mon ordinateur. Si maintenant je vais dans mon ordinateur, donc je ne suis plus dans, je vais tout simplement dans l'explorateur de fichiers. Donc, si je vais dans mon explorateur de fichiers, je vais retrouver dans la partie NanoTrader, NanoTrader se trouvant par défaut dans le répertoire documents, je vais retrouver tous les répertoires qui concernent NanoTrader ici et je vais avoir le fameux répertoire exporté de page. Je clique dessus, j'ouvre ce répertoire exporté de page et là, vous voyez, j'ai la page A, le 12 du 4 à 18h15. J'ai donc cette page A.nxa qui a été faite. C'est un fichier de 2 kilos. Et il vous suffirait de m'envoyer par email ce fichier. Et moi, je fais l'opération inverse. Quand je reçois votre email, je le mets dans mon document, dans mon dossier exporté de page. Je mets à ce moment-là, je refais importer la page et je me retrouve avec votre configuration. Comme ça, je peux tout de suite voir si vous avez, entre guillemets, fait une petite bêtise ou autre, ou vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Je fais les modifications qui sont nécessaires. Et de fait, je vous envoie ensuite, par retour de courrier, la page modifiée. Et vous avez votre nouvel environnement de travail. Oui, une façon très facile de communiquer ensemble sans avoir besoin de faire un grand laïus ou un grand mail pour expliquer les choses. Donc, une fois que vous avez fait l'aspect de travail qui vous convient, la fenêtre la plus importante dans la plateforme, c'est ce qu'on appelle l'étude. Alors ici, je réduis mon tableau de cotation, ma fenêtre qui est sur la gauche, là, je la réduis en cliquant ici sur la petite punaise. Je peux réduire ma fenêtre de suivi de compte ici également en cliquant sur la punaise. Et donc, j'ai laissé à l'écran maintenant la fameuse étude. Donc, cette étude, elle a plusieurs composantes. Alors, j'insiste fortement. Je parle bien de cette fenêtre-là volontairement. Vous voyez ce que je fais? Je bouge ma fenêtre. Je ne parle pas de la plateforme en tant que telle. Je parle juste de cette fenêtre qui comporte un graphique, hein, qui comporte un graphique, mais pas que, puisque on a un graphique ici qui a été ouvert par défaut en 1 minute. Sur la partie gauche, il y a une partie qui est également escamotée, qui est également réduite. C'est cette barre de personnalisation. Je clique un coup sur son nom, je la fais, je la réduis. Je reclique sur son nom, excusez-moi, je la fais apparaître. Elle comporte différentes rubriques et ces différentes rubriques, on peut bien sûr en ajouter encore d'autres. Enfin, il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter si vous personnalisez justement cette fenêtre. Si je viens par exemple à dire, tiens, je veux ajouter. Excusez-moi encore, je veux ajouter juste un indicateur. Je clique ici sur l'icône qui permet cela. Je clique sur Ajouter un indicateur. Là, on ouvre donc. Alors, on me dit, je ne vous entends pas. Mais ça, c'est une personne qui me dit juste, je ne vous entends pas. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, ça, c'était à 18h17. Je n'avais pas vu tout de suite. Est-ce que pour tout le monde, c'est encore OK? Parce que je n'ai pas eu d'autres remarques. Je pense que c'est OK. La personne qui ne m'entend pas, je vais juste mettre un petit message dans le chat pour demander, c'est OK, me dit-on, pour qu'il faut juste rebooter, relancer l'application. Si vous ne m'entendez pas, donc je tape dans le chat, si vous ne m'entendez pas, relancer l'application. Relancer Go to Webinar. Go to Webinar. Voilà, je tape juste ça. Donc, normalement, Webinar. Donc, normalement, là, tout le monde a eu le message. Voilà, pour le coup. Donc, le son est OK, m'ont dit les autres personnes. Donc, je pense qu'il y a peut-être juste une personne qui a eu des difficultés de son. Donc, j'en étais à ajouter mon indicateur. Bien sûr, j'en profite pour indiquer qu'il y a, indiquer des indicateurs, mais indiquer, vous souligner qu'il y a le répertoire indicateur traditionnel, classique, où on retrouve des CCI, des ADX, des MACD, etc., etc. Et un deuxième répertoire qui se nomme indicateur dans Express. Là, pour le coup, ce sont des indicateurs qu'on a été amené à développer pour la plupart à la demande de nos clients.
Donc, on voit par exemple qu'il y a un ATR stochastique, donc on devine que c'est effectivement un indicateur qui marie l'ADR et la stochastique, ou un ATR dynamic band, etc. Donc, il y a des indicateurs personnalisés qui ont pu être développés, et sinon, il y a les indicateurs classiques, il y a les indicateurs que j'ai en favori ici, et chose importante, j'ai sélectionné ici, vous voyez, dans ma colonne favori, j'ai sélectionné la MACD, mais je m'aperçois que tout en bas, j'ai le choix insérer comme. En fait, un indicateur dans NanoTrader peut avoir plusieurs fonctions. Il peut servir de sentiment or, auquel cas il sert juste d'indicateur, de manière classique. Il peut servir comme filtre, auquel cas c'est les prix qui vont être filtrés avec l'information de l'indicateur, ou il peut servir comme stop dans votre trading. Donc, vous voyez déjà, un indicateur peut avoir plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Donc, c'est déjà une possibilité, un intérêt pour NanoTrader où on trouve qu'on peut, avec un même indicateur, faire plusieurs choses. Et là, de fait, comme j'ai ajouté cet indicateur, vous voyez que la rubrique indicateur est venue s'ajouter dans ma partie barre de personnalisation. Autre chose, si je veux toujours personnaliser mon étude, pourquoi pas, je peux effectivement considérer qu'il y a, pourquoi pas, un support et me dire, tiens, je vais, donc on a bien sûr des outils pour dessiner des traits, des graphiques, des canaux et tout ce qu'on veut. Mais regardez ce qui se passe ici si je veux par exemple matérialiser qu'il y a un support. Ici, par défaut, on peut avoir l'option dessin seul, c'est-à-dire que le trait, ça sera juste un trait de dessin et rien d'autre. Il peut servir de stop, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser également ce trait horizontal dans son trading comme un stop. Il peut servir d'indicateur, on peut le rentrer dans un système de trading comme étant un indicateur, donc il prendrait le rôle de sentiment or, ou il peut servir de filtre. Donc vous voyez, à chaque fois que l'on fait quelque chose avec Nano, que l'on avance progressivement, que l'on découvre Nano, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Et j'en profite tout de suite pour faire une petite digression très utile. Sur la partie du site internet, avant que j'oublie de vous le dire, ça m'est déjà parfois arrivé d'oublier. Donc, je reviens sur le site internet. Et sur le site internet, sans que vous ayez besoin d'être client, vous avez le droit d'aller tout en haut à droite. Il y a ces fameux petits rubriques client, cet onglet client. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que bon, on peut être client de différentes manières chez Self-Invest, pour un compte CFD ou pour un compte futur. Pour ce que je vais montrer, vous prenez CFD ou futur, c'est la même chose. J'ai bien pour ce que je vais montrer. Donc, j'ai sélectionné client CFD. Et là, on retrouve tout de suite donc des ressources pour la plateforme NanoTrader. Et il est très utile. Alors, j'en profite au passage, parce que là, je ne l'ai pas dit non plus. On voit NanoTrader Full, NanoTrader Free. Donc, il y a deux versions de la plateforme. Une version dite NanoTrader Free, qui permet exclusivement de faire du trading manuel et semi-automatique, et qui, quelque part, comme son nom l'indique, est gratuite. Et NanoTrader Full pour complète, elle est payante à 29 euros par mois, et ce n'est pas parce qu'il y a de l'inflation en 2022, le prix n'a pas changé depuis 20 ans. C'est 29 euros depuis 20 ans, hein, donc on ne l'a pas actualisé. Je fais une petite, là aussi, petite digression sur le contexte actuel des marchés, qui est assez particulier, dirons-nous. Mais quoi qu'il en soit, donc vous avez ici des choses à aller consulter. Page de démarrage rapide, il s'agira de vous familiariser avec l'ergonomie de la plateforme. Manuel et vidéo pour apprendre, c'est aussi deux choses qu'il faut aller voir. Alors, vidéo pour apprendre, à la différence d'une vidéo sur notre chaîne YouTube, ici, quand vous cliquez sur vidéo pour apprendre, vous avez à peu près 80 vidéos thématiques, mais qui peuvent être très, très courtes, d'une, 2 ou 3 minutes, mais c'est très thématique. Qu'est-ce qu'une étude, par exemple? Je parlais d'études et vous voulez revoir qu'est-ce qu'une étude. Vous cliquez sur la vidéo correspondante et vous ouvrez une vidéo qui est en français et qui va durer 3 minutes 44, qui va vous expliquer toutes les spécificités de l'étude.
etc., etc. Donc, ces vidéos sont, c'est très utile d'aller consulter ces vidéos de manière thématique, suivant ce que vous avez besoin. Et ce qui est aussi très utile et très important, c'est d'aller jeter un coup d'œil à ce manuel. Pas pour l'apprendre par cœur, mais tout simplement pour répondre à la question, que puis-je faire avec NanoTrader? C'est juste répondre à la question, que puis-je faire avec NanoTrader? Quel est le potentiel de cette plateforme? Et plus particulièrement, donc il y a 41 pages ici, vous les parcourez et plus particulièrement, il y en a une qui est assez, enfin toutes sont intéressantes, mais je veux dire par rapport là, vous allez me voir ici, enfin vous allez me voir, je vous montre des choses sur NanoTrader, mais vous ne voyez pas ma souris. Vous ne savez pas sur quel bouton de la souris je clique, bouton droit, bouton gauche, molette, et donc vous ne voyez pas tout à fait comment je manipule le graphique. Pour apprendre cela, pour apprendre à manipuler le graphique, la page 12 et 13 de ce manuel est indispensable à être consultée. Donc, il faut vraiment aller là pour acquérir les automatismes vis-à-vis de Nano. Donc, vous voyez, en résumé et en complément de tout ce que je vous raconte ce soir, n'oubliez pas d'aller sur le site Self-Invest. Tout à l'heure, on a vu pour aller chercher un compte démo si vous n'avez pas de plateforme pour l'instant. Et là, maintenant, je vous indique d'aller sur la partie client là-haut, juste pour aller consulter ces ressources pédagogiques sur la plateforme. Revenons maintenant à notre plateforme. Donc, pour le coup, on a cassé le support, ou du moins ce que j'avais tracé tout à l'heure comme support. Donc, évidemment, si j'avais utilisé ça dans mon trading, j'aurais pu très bien entrer en position rien qu'à la cassure de ce niveau. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez personnalisé votre étude, vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc, enregistrer votre travail, parce que c'est toujours précieux de ne pas travailler dans le vide et de ne pas fermer la plateforme sans avoir enregistré ce que vous avez pu faire. Vous avez quatre possibilités pour ça. La toute première possibilité, enregistrer l'étude, donc le premier choix qui est ici, c'est vous écraser l'étude par défaut que vous avez ouverte. Ce n'est pas ce que je recommande spécifiquement. Je recommande plutôt de choisir le menu enregistrer l'étude sous. Si le travail que vous avez fait ne concerne que le sous-jacent qui est à l'écran, là j'ai déployé le Germanie 40. Si effectivement le trait que j'ai tracé, ben, il concerne à 14 082, il concerne que le Germanie ici, autant que je fasse enregistrer l'étude sous pour enregistrer mon travail sous l'arborescence de ce sous-jacent uniquement. Si maintenant j'ai dans mon étude, j'ai déployé des outils que j'ai besoin, des indicateurs, etc. J'ai pas spécialement personnalisé des choses sur le graphique, mais j'ai mis en place toutes sortes d'outils. Là, ça peut être utile de faire un modèle d'étude pour ne pas avoir à le refaire plusieurs fois. Et quand on est donc si ici par exemple, alors pour le coup, pour le faire, comme je dis, un modèle d'étude, il faut pas que je mette quelque chose de personnalisé ici. Donc j'enlève mon trait, mais je peux par exemple dire je garde la MACD, je déploie également pourquoi pas des bandes de Bollinger comme ceci. Donc, dans le graphique principal en tant que Sentimentor, voilà. Et une fois que je suis content avec ça, pour ne pas avoir à refaire ça plusieurs fois, si c'est de la manière dont j'ai envie de travailler, je peux là très bien dire enregistrer l'étude comme modèle. Et une fois que je fais ça, le logiciel va me proposer donc cette fenêtre. Je vais devoir donner un nom à mon étude. Donc, je vais l'appeler par exemple modèle A. Hein, voilà. Modèle A, il va ranger ce modèle dans l'arborescence qui est document NanoTrader et le répertoire default DYS. Donc, c'est dans ce répertoire que se range ce modèle. Si je dis ça, c'est parce que si vous utilisez plusieurs ordinateurs, vous déployez Nano dans plusieurs ordinateurs, évidemment, ce que vous enregistrez sur un ordinateur va pas se retrouver par magie sur l'autre ordinateur. Donc, si vous avez fait un quelconque travail sur un ordinateur et que vous ne voulez pas le refaire sur un autre ordinateur, il faudra tout simplement aller rechercher les petits fichiers que vous avez créés et les faire des copier-coller et aller les remettre dans l'autre ordinateur. Voilà. Donc, je sauve mon étude et maintenant,
Quel est l'intérêt de ce que j'ai fait? Eh bien, si là je ferme mon graphique, mais si je veux maintenant déployer mon modèle d'étude sur un autre sous-jacent, supposons que je veuille déployer donc ces bandes de Bollinger et cet MACD sur l'euro-dollar, je vais demander donc petit intérêt ici, on a une fenêtre auto-complétive, j'ai juste tapé les trois lettres EUR, et là évidemment le logiciel me donne tout ce qui commence par EUR ou tout ce qui comporte EUR comme Euribor, Euro, Bobble, etc. Et je suis intéressé, je disais à l'instant, par l'euro USD. Je sélectionne mon euro USD avec un clic gauche, puis je fais un clic droit, et là j'ai le menu contextuel modèle d'étude. Et dans ce menu contextuel modèle d'étude, je vais retrouver le modèle d'étude que j'ai enregistré. Souvenez-vous, je l'ai appelé modèle A. Le voici. Modèle A, donc j'applique après ce modèle d'étude et de fait va s'ouvrir cette fois-ci l'euro-dollar en 1 minute, chandelier avec la MACD et avec les bandes de Bollinger. Donc vous voyez l'intérêt quand on a, alors tout un chacun peut bien sûr avoir de l'intérêt pour telle ou telle façon de travailler. Et plutôt que de le refaire plusieurs fois, vous pouvez effectivement passer par ce biais du modèle d'étude. Cette étude comporte également tout le nécessaire pour trader. Soit trader de manière manuelle, on va dire, avec les boutons Buy et Sell que l'on a en haut de l'étude à gauche. Quand on clique ici sur Buy, la première chose qu'il me demande, parce que je n'ai pas choisi de compte, il me dit, il faut que tu choisisses un compte. En fait, ce qui se passe avec cette plateforme, c'est que par défaut, on a un minimum deux comptes. Un compte, dit paper, un compte donc qui va être un compte démo permanent et un compte réel. Bien évidemment, si vous prenez une démo de Nano, vous aurez un compte pas réel avec de l'argent réel, puisque vous n'avez pas viré de l'argent réel si vous êtes en démo, mais vous aurez donc l'équivalent de votre compte réel si vous étiez client et votre compte paper. Donc tout ça pour dire que quand vous êtes client, vous disposez en permanence de ce compte démo permanent qui permet à tout instant de tester quelque chose plutôt que de le faire en réel. Si vous n'êtes pas sûr du coup, vous testez une nouvelle technique, ben autant le faire en mode démo. Donc ici, je choisis mon compte et je dis OK. Et là, il a déployé le compte qui va bien. Et donc, en cliquant sur Buy, il m'a ouvert ici une fenêtre, un ticket d'ordre, hein, quelque chose d'assez classique dans beaucoup de plateformes, un ticket d'ordre dans lequel on peut disposer également d'ordres qu'on appelle contingents, donc une limite et un stop attachés à cet ordre d'entrée en position par défaut au marché, mais que l'on peut avoir limite stop ou autre. Donc, cette technique de passation d'ordre classique, mais c'est très loin d'être la technique privilégiée par nos clients. Je vous montre tout de suite la manière dont la majorité de nos clients utilisent NanoTrader. Parce que là, le fait d'avoir choisi mon compte, il est apparu ce petit bouton désactivé là, qui n'était pas visible avant d'avoir choisi son compte. Et quand on clique sur le petit bouton désactivé, on fait apparaître les trois modes de fonctionnement de la plateforme. Désactiver le mode manuel, trade guard le mode semi-automatique et le mode automatique. Bien entendu, on ne va pas aller sur le mode automatique ce soir. Ça peut faire l'objet de d'autres vidéos qu'on a dans notre chaîne YouTube et on pourra peut-être faire des vidéos plus avancées, mais là, c'est vraiment une vidéo de découverte de la plateforme. Donc, je dirais, on prend le mode trade guard et en choisissant le mode trade guard, alors pour bien visualiser les choses, je vais carrément mettre maintenant ma fenêtre étude plein écran. Donc je peux également ôter la confirmation d'ordre pour ne pas rentrer en conflit avec l'autre système de passation d'ordre que je vous ai montré précédemment. Donc de fait maintenant je suis en mode semi-automatique. J'ai donc cliqué sur cette petite main pour ôter la confirmation d'ordre. Et là, je suis prêt à travailler. Par défaut, ici, on dispose donc dans la partie bracket d'un click stop et d'un click target. Autre particularité de la plateforme,
On peut travailler qu'autant de stops et autant d'objectifs que l'on veut. Là encore, je ne vais pas vous montrer ça ce soir, mais sachez que si vous voulez, par exemple, entrer en position avec trois lots, sortir le premier sur un objectif et en même temps faire que l'ordre stop vienne au break-even et sur le deuxième objectif que ça devienne un stop suiveur et qu'on sorte totalement de la position au troisième objectif, c'est tout à fait possible. On a même un outil automatique qui permet de le faire. Donc, là encore, c'est le multi-stop, multi-target. Dans la partie vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, sur le site internet, je vous ai montré l'onglet client et les ressources vidéo auxquelles vous pouviez accéder. Là, il y a une vidéo qui présente le multi-stop, multi-target. Donc, n'hésitez pas à vous y plonger si nécessaire. Ici, on est donc sur de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, c'est effectivement, on travaille au pip, voire au dixième de pip. Donc quand on parle de pip, c'est bien sûr, il y a cinq chiffres qui sont pris en compte. Donc 1,0860, de 1,08, enfin on va même dire 1,0841 à 1,0842, on gagne un pip. Et donc, mais de fait, ici, les click stop et click target sont donnés par défaut en tick. Là encore, on peut, comme unité de mesure de mes objectifs et de mes stops, on peut avoir une notion de pourcentage, une notion d'ATR, une notion de points ou une notion de tick. Si on est en tick, ça représente la plus petite variation possible. Donc, en l'occurrence, ici, 100 ticks, ça fait 10 pips. Bon, 10 pips, ce n'est pas non plus tout à fait stupide sur un euro dollar. Donc, je peux laisser mon click stop, voire mon click target, pourquoi pas, ou utiliser un autre ratio et dire, par exemple, je veux mon stop à 50, pas 500, mais 50 à 50, donc ticks. Et là, maintenant, une fois que j'ai pris soin de contrôler où allait se placer tout seul mon stop et mon objectif, je suis prêt à trader. Donc, je dis bien, j'ai choisi mon compte. Hein, excusez-moi, je suis un petit peu enroué, je m'excuse. Donc, j'ai donc ici choisi mon compte. J'ai choisi mon mode de fonctionnement, qui était le mode trade guard. J'ai bien pris soin de regarder que les stops et objectifs me convenaient. Et enfin, j'ai cliqué sur la petite main pour ne pas avoir de confirmation d'ordre. Là, je suis prêt à trader et en un seul clic. Alors, encore un petit détail, on voit que la quantité qui est mise ici, ce n'est pas comme sur un Germany, sur un CFD, c'est 1000. Ce n'est pas 1000 contrats, c'est de l'argent. Ça veut dire c'est 1000 dollars, puisque je suis sur un euro dollar, mais ça donne une valeur au pip. En mettant 1000, ça donne 10 centimes de valeur au pip ou 1 centime au tick. Donc, c'est très, très, très peu. On va maintenant voir ce que ça représente. Si ici, on s'aperçoit qu'il y a eu plutôt une grosse baisse le temps que je commence ma présentation de webinaire, il y a eu enfin une grosse baisse, tout est relatif, hein. On peut justement mesurer l'ampleur de cette baisse. On dispose ici d'une petite règle et je peux très bien tracer ici la distance et il va me dire c'est 260 ticks ce mouvement. 260 ticks, 26 pip. Donc, si j'avais profité à pleinement du mouvement 26 ticks à 10 centimes, j'aurais gagné 2,60 €. Si j'avais profité, bien sûr. Là, on voit qu'on a tendance à rebondir. Je vais dire buy, par exemple. Et là, le fait que je clique ici sur buy, j'ai été exécuté immédiatement. Alors, mon stop, voilà, je suis stoppé. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'avais un stop qui était à 5 pips, 50 ticks, et la volatilité s'est un peu énervée à l'instant où je suis entré en position. Donc, ce qui fait que j'ai été stoppé parce que mon stop était très proche. Si je recommence ici à dire buy une deuxième fois, donc je suis de nouveau positionné à l'achat sur. Donc, je suis positionné sur 1,0841. On voit ici entrer en position à 1,0841.
on s'aperçoit que on perd, on gagne, pardon, on perd, vous voyez, c'est en temps réel, 0,06, donc c'est très, très, très peu. Hein, je vous avais dit, si on avait profité de tout le mouvement, avec cette taille de position de 1000, j'aurais effectivement pu gagner 2,60 au maximum. Donc c'est la plus petite taille de position sur le Forex possible, c'est 1000. Si maintenant je veux renforcer ma position, pourquoi pas, je peux la doubler ici avec le bouton x2. Voilà, et en faisant x2, je vais avoir automatiquement une taille de position de 2000, mais bien sûr, l'objectif s'est ajusté et le stop s'est ajusté. Si maintenant le stop, je m'aperçois que je l'ai mis trop près et que je veux l'éloigner, je peux le déplacer comme je viens de le faire, je l'ai déplacé un petit peu. Si maintenant je veux changer sa fonction, son rôle, je ne veux plus que ce soit un stop fixe, mais je veux que ce soit par exemple un stop suiveur. Donc j'ai fait apparaître ici, en cliquant sur mon stop, je fais apparaître ces boutons dits tactiques. Et ces boutons dits tactiques me permettent de, par exemple, bouger le stop tick par tick ou de le mettre ici en suiveur. Je viens de cliquer sur le bouton suiveur et il m'a dit trail 22. C'est-à-dire qu'il a mis un stop suiveur à 22 ticks. Donc c'est très très peu. Hein, ça fait 2 pips. C'est très 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 peu. On a toutes les chances, bien sûr, avec cet exemple-là, de nouveau nous faire sauter la position, nous faire. Donc, si bien sûr on est touché sur le stop, on va automatiquement avoir la position clôturée et on aura l'ordre objectif qui sera également annulé, puisque les deux ordres stop et objectif sont OK. Alors, comment transformez-vous une ligne horizontale en stop? On me pose comme question. Alors, pour transformer une ligne horizontale en stop, il suffit tout simplement de la tracer. Première chose, donc, on clique sur l'icône ligne horizontale, comme je vous le montre ici, et on va la tracer. Et avant de valider la ligne en cliquant sur OK, avant de valider OK, on change ici son utilisation et on dit, je veux que ce soit un stop long ou un stop short ou un stop sentimental. Donc, si je veux que ce soit un stop short, par exemple ici, je fais ceci, je dis OK. Et de fait, on va se retrouver avec ici, dans la partie bracket, la ligne, vous voyez ici, 1,08, 327. Qui apparaît comme étant un stop. D'accord? Donc, bien sûr, comme je ne suis pas en position, je ne vais pas prendre position. Hein, il faudrait que. Mais si évidemment je reprends position, donc cette ligne sert de stop et de fait, je serai stoppé. Donc, voilà comment on peut définir une ligne. La même chose, hein, donc là on a fait une ligne horizontale. Si vous voulez une ligne verticale, vous prenez ici la partie ligne trend, la trend line ici. Et vous faites cette fois-ci une ligne en biais et vous choisissez encore une fois de dessiner, enfin que ce soit du dessin ou un stop ou un filtre ou autre. Et encore une fois, troisième élément qui peut également servir dans votre décision de trading, c'est le canal. Donc, vous avez le canal de tendance. À la différence d'une ligne ou d'un trait horizontal, là, vous pouvez avoir des cas de figure. Alors, je vais par exemple prendre mon canal et me dire ici, en le mettant sur Sentimentor, pour vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai tracé un canal. Alors, attendez. Bon, en l'occurrence, j'ai tracé un canal, mais il apparaît juste qu'il n'est pas en corrélation avec les prix. Autant essayer de faire quelque chose d'assez cohérent, bien que je ne dis pas que on est. Alors, faisons quelque chose, puisqu'il y a eu un mouvement et un deuxième mouvement quelque part. Hein. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, ici. Il y a d'abord eu un mouvement de baisse, ce mouvement de latéralisation, et là, on est reparti sur un mouvement de baisse. Donc, si maintenant on veut cadrer un peu le canal, voilà, il y avait ce canal qui était là, dont on est en train à nouveau de tenter de sortir à la hausse. Ce canal, en l'occurrence,
que j'ai ici identifié, vous voyez, Trend Channel dans la partie indicateur. Si maintenant je fais clic droit sur mon Trend Channel et que j'ai modifié l'interprétation, vous voyez que ce canal peut me servir dans le cadre de mon trading, puisqu'il y a en fait les prix ont cette possibilité d'évoluer, c'est-à-dire ils sortent du canal, cas numéro 1, ils sont à l'extérieur du canal au-dessus, cas numéro 2, ils re-rentrent dans le canal, cas numéro 3, etc., etc. Toutes les possibilités sont évoquées avec ces 7 cas, ces 7 possibilités, et chacune de ces possibilités, on peut lui donner une valeur entre 0 et 100. Si on donne une valeur entre 0 et 40, ce sera un ordre de vente. Entre, donc, attendez que je dise pas de bêtises. Donc, ces éléments, alors je vais juste refermer ici. Tout ça est expliqué là. Que je donne bien les bons paramètres. Alors, attendez, comme j'ai ouvert beaucoup de choses, je vais fermer ce qui ne me sert pas. Donc, je vais fermer ce qui ne me sert pas ici. Alors, voilà. Alors, ce que je voulais montrer. Alors, attendez un tout petit instant. Trend Channel ici. Ah oui, je sais ce qui me manque. Donc, pour pouvoir faire cela, quand on ne trouve pas quelque chose, c'est parce que je n'ai pas déployé, ce qui est très important à expliquer, pour pouvoir prendre des positions de trading, il faut avoir ajouté une composante essentielle qui n'est pas présente dans NanoTrader Free, mais qui est présente dans NanoTrader Full et qui se nomme le Meta Sentimeter, qui est une sorte de super indicateur que là, pour le coup, on ne peut le développer que, on peut le déployer, pardon, que sur la partie Sentimeter. Et quand on le fait apparaître ici, on va retrouver, donc, en termes de trading, les différentes possibilités dont je voulais parler à l'instant. C'est-à-dire que entre 0 et 40, les valeurs que alors je vais remettre maintenant pour le coup, hein, parce que j'avais mis mon trend channel, il est ici. Et si je fais ici modifier l'interprétation, voilà, on a tout à l'écran maintenant. On a tout à l'écran et je vais même déplacer ça pour être juste à côté. Toc. Voilà. Donc ici, dans le cadre de notre trading, on peut effectivement donner des consignes à la plateforme pour ouvrir ou fermer des positions en fonction que les prix évoluent à l'intérieur ou à l'extérieur du canal. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, on a les sept événements, les sept cas de figure quelque part qui peuvent se produire, hein. Les prix peuvent juste se trouver dans une de ces sept possibilités et pas d'autres. Et pour chacune de ces possibilités, vous pouvez donner une valeur entre 0 et 100. Et suivant la valeur que vous allez donner, ça déclenchera soit un ordre d'achat, soit un ordre de vente, soit pas d'ordre du tout, soit une clôture de position short, soit une clôture de position longue. Vous avez toutes les possibilités qui vous sont offertes ici. Donc là, je vais un peu plus loin aujourd'hui dans la présentation de Nano ici pour vraiment insister sur le potentiel de cette plateforme qui dispose vraiment d'énormément d'outils, de possibilités, de fonctions, qui fait que, évidemment, la toute première réaction de quasiment 100% des personnes que j'appelle lorsqu'ils ont pris une première fois une démo, c'est que ça les déstabilise un petit peu. Ils trouvent la plateforme complexe, pour pas dire autre chose. Donc, évidemment, mon job, c'est de vous aider à la prendre en main, comme on est en train de le faire ce soir. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir passer 24 heures ou une semaine ensemble non-stop en webinaire pour approfondir toute la plateforme. C'est impossible. Mon
Moi, je peux évidemment vous recontacter ou vous pouvez revenir vers moi parce que toute personne, tout trader est différent. Il y a des traders qui seront des traders, swing traders, scalpers et j'en passe, qui travailleront de manière manuelle, de manière automatique, etc. Il y a une multitude de possibilités. Donc, je ne peux bien sûr pas vous détailler tous les cas de figure. Mais ce qui est essentiel, c'est généralement ce que l'on fait quand je coach quelqu'un de manière individuelle, non plus comme on est en train de le faire maintenant, là on le fait un peu en groupe, je parle, vous réagissez dans le chat par écrit, mais on n'est pas tous ensemble. Quand je fais du coaching, c'est avec un partage d'écran, c'est-à-dire que je vous donne un lien sur lequel cliquer pour que vous partagiez votre écran. Je vous appelle au téléphone, donc on échange oralement et c'est plus convivial bien sûr. Et on va personnaliser la plateforme. On peut créer votre espace de travail avec ensemble. Donc on fera une page qui vous convient ou des pages qui vous conviendront. On peut voir des points particuliers parce que vous avez envie de travailler de telle ou telle manière. Et ce qu'il y a aussi qui est très utile. C'est qu'une fois que je fais une session de coaching comme cela, personnalisée avec ce partage d'écran, tout ce que j'aurais pu faire, personnalisé ou enregistré, reste sur votre ordinateur. Donc, vous avez à l'issue de la session l'intégralité de tout ce que je vous ai présenté. Donc, c'est très utile. Généralement, je fais ce genre de session, bien sûr, sur rendez-vous. Hein, ça prend en moyenne une petite heure. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça au coup de sifflet, bref, on va dire. Mais donc voilà. Alors, donc il y avait la question, j'ai répondu. Alors, est-ce que les webinaires font habituellement 1 heure? Là, il est 18h52. J'ai encore un peu de temps, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions au vu de ce que j'ai présenté? Ou sur la plateforme, bien évidemment, ou d'une manière générale, j'insiste aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est la chaîne YouTube, hein, sur laquelle on retrouvera donc la vidéo de ce soir d'ici quelques jours. Donc la chaîne YouTube en question, il suffit de taper dans votre moteur de recherche YouTube et Self-Invest. Et quand vous avez tapé ces deux mots, YouTube et Self-Invest, vous allez pouvoir choisir la chaîne France. Et sur cette chaîne YouTube, il y a plus de 700 vidéos désormais, dont déjà certaines vidéos, comme ce soir. Bien sûr, je ne raconte jamais 100% la même chose. Hein. Est-ce que le rendez-vous coaching 1 heure sont payants? La réponse est non. Bien sûr, si vous n'êtes pas client, je vais pas faire un coaching tous les jours d'1 heure. Hein. Ça coule de source, mais non, si je vous propose un rendez-vous, c'est pas payant. Donc, disons que pour vraiment que ce rendez-vous soit le plus profitable possible pour vous, je dirais dans un premier temps, allez jeter un petit coup d'œil au manuel que je vous ai montré tout à l'heure sur le site. Regardez potentiellement 2, 3 vidéos. Ils ont une séance de coaching pour qu'elle soit vraiment profitable, il faut qu'on puisse vraiment entrer dans votre manière de trader, dans votre manière de travailler, qu'on puisse se dire, ben moi j'ai envie de faire ça, ça et ça avec la plateforme. On progresse vraiment avec un logiciel, quel qu'il soit, de trading ou autre, on progresse vraiment avec un logiciel à partir du moment où on se met devant le logiciel et qu'on a besoin de faire quelque chose de bien concret, de bien précis. On ne peut pas progresser si on dit, tiens, aujourd'hui il pleut, il est 9h, j'allume mon logiciel et je vais apprendre le logiciel. Donc, si on n'a pas un but bien précis, bah, c'est tellement vaste qu'on ne sait pas par quelle boule prendre et fatalement, on ne va pas pouvoir véritablement progresser. Donc, la première des choses, c'est qu'effectivement, il faut avoir quelque chose à faire. Alors, bien évidemment, il y a... On a d'autres logiciels, on peut travailler avec TradingView chez Self-Invest, on peut travailler avec MetaTrader 4, on a des applications gratuites sur les mobiles, etc., etc. On peut avoir des logiciels beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples si votre trading consiste à faire du swing trading et à dire j'entre en position juste avec un ticket d'or, j'ai rien besoin d'autre,
pas besoin de nanotrader dans ces cas-là. Hein, ce n'est pas une obligation de travailler avec nanotrader. Par contre, si on a des exigences qu'on veut typiquement rentrer en position en cassant une ligne, faire ceci ou cela, là, il faut peut-être aller sur ce. Alors, ce genre de. Alors, je vois les questions. Donc, je ferme ici. Ok, parfait. Je vais redevenir client alors, car je l'étais auparavant. Oui, ben, il n'y a pas de souci pour redevenir client, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je prends juste votre. Je verrai si si vous êtes, si vous avez déjà pris une démo ou voire même vous avez pris un webinaire, forcément, j'aurai vos coordonnées, hein, puisque à l'issue de ce webinaire, toutes les personnes inscrites vont recevoir un mail avec le lien vers le replay sur la chaîne YouTube que vous avez actuellement à l'écran. Donc, je reviendrai donc vers vous. Est-il possible de présenter un exemple pour mieux comprendre l'effet des valeurs choisies pour les 7 éléments? Oui, bien sûr. Alors, on va revenir sur la plateforme. Donc, supposons, alors pour le coup, je vais carrément faire alors, ce que l'on va faire, on va faire quelque chose de très simple. Je fais un peu de ménage. Donc, je fais un clic droit, je supprime ma MACD. Donc, ici, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Et ici, alors, qu'est-ce que j'ai? Je supprime mes Bollinger. Non, ce n'est pas ça, j'ai fait une bêtise. Je supprime les Bollinger ici. Supprimer les Bollinger. Donc, je fais un peu de ménage hein, sur mon graphique. Voilà, je fais un peu de ménage. Et on va mettre quelque chose de, pas de sympa, mais on va mettre quelque chose de facile à comprendre. On va tout simplement mettre le concept du croisement de moyenne mobile. Je pense que c'est quelque chose de très, très facile à comprendre. Donc, j'ai plus rien. Vous voyez, j'ai dans la personnalisation, j'ai tout viré. Je suis de nouveau avec mon graphique et pour le coup, mon MetaSentiment en bas, eh ben, il est à 50, il est au niveau, il n'interprète rien, hein, c'est neutre. Donc, je vais ajouter comme composante le croisement de moyenne mobile. Donc, ce n'est même pas la peine que je mette une moyenne puis une deuxième, j'ai directement l'indicateur qui s'appelle Crossing Emma qui va d'un seul coup m'en ajouter deux. Donc, je clique ici sur Crossing Emma. Et il m'a donc ajouté deux moyennes mobiles. Hein, donc, vous voyez ici. Donc, typiquement, vous avez les deux moyennes mobiles qui sont 50 et 100 qui ont été mises. Bien évidemment, si vous voulez changer et ne plus être à 50 et mettre 40 ou autre chose, vous pouvez bien évidemment le faire. Hein, voilà. Et ce qui se passe, c'est que c'est. Alors, je vais agrandir ça. Voilà. L'interprétation de ces moyennes mobiles, quand on va ici sur le Crossing Emma et que l'on fait un clic droit et que l'on fait modifier l'interprétation, on est dans un cas un tout petit peu plus simple qu'avec mon canal tout à l'heure. Parce que, en fait, qu'est-ce qui peut se produire? Si on a deux moyennes mobiles et qu'on veut les interpréter, ben, il y a soit un croisement haussier avec K numéro 1, soit un croisement baissier avec K numéro 3, soit le cas où la moyenne mobile rapide est au-dessus de la moyenne mobile lente, cas numéro 4, la moyenne mobile rapide est en dessous de la moyenne mobile lente. Vous voyez, il y a juste 4 cas. Et donc, sur ces 4 cas, par défaut, le logiciel me dit, tu vas vendre dans le cas numéro 3 et tu vas acheter dans le cas numéro 1. Et dans les deux autres cas, tu ne feras ni achat ni vente. Donc, c'est ce qu'il me suggère et c'est ce que me dit maintenant ici le MetaSentimeter. Donc là, j'ai quelque part l'embryon d'un système de trading. Je dis bien l'embryon. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de. L'embryon, on a juste une composante. On a un critère d'entrée ou de sortie de position. Mais on a notre MetaSentimeter ici, qui de part, qui marque bien, il y a eu croisement haussier ici. Il y a eu croisement haussier ici, d'accord? De fait, juste en dessous. Vous voyez le MetaSentimeter. Alors, je ne voulais pas faire ça, pardon. Je voulais faire une flèche ici. Juste en dessous. Vous voyez? Hop là. Voilà. Juste en dessous, vous avez le MetaSentimeter qui est passé à 100. Et quand on se retrouve dans le cas inverse, où on a la moyenne rapide qui casse la moyenne mobile
qui casse la moyenne mobile lente. C'est un signal baissier et on a zéro et on a un signal de vente. Voilà comment. Alors, ici, bien sûr, on peut interpréter tout ce qu'on veut avec ce méta sentimental. Là, il interprète juste mon croisement de moyenne mobile. Mais supposons qu'on veuille, dans notre système de trading, entrer un paramètre supplémentaire et se dire non, je ne veux pas uniquement le croisement de moyenne mobile. Je veux aussi que ça prenne en compte la MACD. On rajoute la MACD en tant que sentimentor. Cette fois-ci, on s'aperçoit que le système de trading, qui est toujours en cours de construction, quelque part ici, donc il va prendre en compte à parité la moyenne mobile et la MACD. Si on veut qu'on prenne deux fois plus de poids sur la moyenne, sur la MACD, on peut changer ici. Ou si on veut tout simplement mettre un poids de zéro à la MACD, on se retrouve, tout en ayant la MACD qui est présente, à ne avoir pris en compte que le croisement de moyenne mobile. Donc là, on est vraiment, on aborde juste un exemple, comme vous le demandiez. Donc, est-il possible de présenter un exemple pour mieux comprendre l'effet des valeurs choisies? Donc, vous voyez, on est juste sur la chose. Bien évidemment, utiliser ces fonctionnalités-là de Nano, c'est déjà plus utiliser Nano de manière basique, je dirais. C'est déjà un petit peu un fonctionnement avancé de la plateforme. Vous avez le manuel, les vidéos, et si ça ne suffit pas, vous avez bien sûr la possibilité de revenir vers nous. Quand vous êtes client, vous avez droit à un support de 8 h à 22 h, 5 jours sur 7. Là, on va terminer le webinaire, mais mes collègues sont toujours au support jusqu'à 22 h, voire par téléphone, voire par chat, ici dans la plateforme. Vous avez WHS chat. Il vous suffit de cliquer sur ce petit onglet chat et vous aurez mes collègues au support qui pourront vous renseigner. Donc, où peut-on trouver la liste des logiciels? Alors, où peut-on trouver la liste des logiciels? Donc, effectivement, tous les logiciels que l'on utilise, alors quand on va, si on veut, alors je vais tout simplement rouvrir le site internet. Voilà, je recherche. Alors, quand on va sur le site de Self-Invest, toujours au même endroit, ben on y était encore, mais on recommence. On clique sur Client. On veut travailler du CFD Forex. Sur cette page, tout au début, on s'est aperçu qu'il y avait les ressources pour NanoTrader. Ici, vous avez le lien pour lancer la plateforme web TradingView. D'accord? Ici, vous avez le lien pour lancer des applications Android, iPhone, iPad. Vous avez ici tout le nécessaire pour travailler avec MetaTrader 4, soit installer MetaTrader 4, le manuel pour MetaTrader 4, l'application Android de MetaTrader 4, iPhone, etc. Vous pouvez également utiliser d'autres plateformes comme ici NinjaTrader par exemple. Donc vous voyez qu'on accepte beaucoup de plateformes et d'une manière générale, on va accepter toutes les plateformes sur la partie future, toutes les plateformes qui se connectent avec le flux CQG. Là, j'étais sur CFD. Hein. Donc, sur futur, on a encore plus de si vous faites client futur. Donc, on a de fait, on bascule de nouveau sur une page et on s'aperçoit ici également disponible les plateformes Atas, Sierra Charts, NinjaTrader, Trade Navigator, etc. Donc, alors, bien évidemment, la plateforme NanoTrader, c'est notre plateforme. Je vous fais un webinaire sur la plateforme NanoTrader ce soir. Nous ne faisons pas le support sur les autres plateformes. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas que vous travailliez avec cette plateforme. Quelqu'un qui a l'habitude avec Multicharts et qui veut revenir chez Self-Invest avec son logiciel Multicharts, il n'y a pas de souci. Il y a de fait, probablement, et c'est même certain, des outils qui existent sur Multicharts qui n'existent pas encore sur Nano. Donc, ça peut avoir du sens de venir avec Multicharts. Tout simplement, vous avez acquis de l'expérience avec un tel logiciel et vous voulez vous n'avez pas envie d'investir du temps dans un autre logiciel. Le fait d'investir du temps pour maîtriser Nano, c'est parce que vous vous dites, ils ont le multi-stop, multi-target, ce truc-là, c'est eux seuls qui l'ont, c'est indispensable dans mon trading,
je vais vraiment plonger dans Nano. Ou alors, ils ont la possibilité de faire des ordres tactiques. Là, c'est automatiser une opération. C'est pas faire du trading automatique. C'est pas l'objet du webinaire de ce soir, mais vous pouvez retrouver là encore ce que c'est qu'un ordre tactique dans les vidéos, la vidéothèque que je vous ai montrée tout à l'heure en accédant à la page qui va bien. Et voilà. Donc, bon, là, je pense avoir répondu aux premières questions qu'il y a eu. Je reviendrai donc vers les personnes à qui j'ai indiqué que je reviendrai. Je vais juste repasser pour le coup sur mon PowerPoint, quelque part. Voilà. Pour vous indiquer ici que vous pouvez évidemment m'adresser un email. Vous pouvez, pour le coup du téléphone en 06, privilégier vraiment les SMS, parce que je suis très, très souvent occupé en coaching, au téléphone ou autre. Donc, c'est extrêmement mission impossible de m'avoir en direct au téléphone en m'appelant sur ce 06, bien que c'est mon numéro, bien évidemment, donc mon numéro professionnel, mais vous pouvez y laisser un SMS, c'est beaucoup plus cool pour moi pour revenir vers vous ensuite. Et enfin, les plans de notre bureau à Paris. Métro numéro 3 sur la gauche, ici, c'est la place de l'Opéra. Métro numéro 7, ce sont les grands magasins, Galerie Lafayette de Printemps. Et donc, on est entre le boulevard Haussmann et le boulevard des Italiens, dans la portion de la rue Taitbout, ici. À l'angle de le boulevard Haussmann et de la rue Taitbout, il y a une boutique Comtesse du Barry et l'entrée est juste après. Voilà, pour être bien précis. Alors, je vais interrompre maintenant la partie, enfin, je vais arrêter plus exactement l'enregistrement. Alors.